Il m'avait fait un truc trop flippant la dernière fois, j'étais dans ma douche et j'aime bien mettre de la musique dans ma douche et comme j'avais pas d'enceinte, bah, j'ai mis mon ordi parce que l'ordi ça met plus de musique, j'ai mis un petit mix de samba et tout. Donc j'étais content, je faisais ma petite samba et tout, hop, gel douche et il y a une pub de gel douche qui apparaît mec. Je me dis mais c'est comment ça se fait? C'est la petite caméra là. Et après je regarde la caméra, je fais... Là par contre là j'ai flippé tu vois. Je me dis ok ils ont vu ma ZZ tu vois. Tu ferais quoi si toutes les recherches que t'avais fait sur internet elles seraient exposées? Dans grande liste, tout le monde peut voir la grande liste et tout. You porn. À chaque fois que tu croises quelqu'un dans la rue, t'as tout son historique sur ton téléphone qui apparaît. Moi, ça me dérangerait pas. Hein. Enfin, si t'as vraiment des trucs à te reprocher. Bah, tu dis ça, mais ça veut dire que, genre, si tu vas sur des sites porno. Bah, le porno, c'est pas grave. Bah, oui, on sait pas. Enfin, genre, ouais, mais après, tu vois, genre, ton kink, c'est le caca. Bah, t'as pas envie que tout le monde sache que ton kink, c'est le caca, tu vois. Bah, genre, je crois que je remettrais même pas la honte. Je crois vraiment, je me dirais, je pense que je serais hyper curieux. À chaque fois que je verrais quelqu'un, je commençais à regarder un peu, je me dirais, oh. Du coup, t'aurais craqué. Oh le pauvre, ouais, tranquille. Non, ah, non, mais je serais prêt, non, mais non, mais tu vois, mais je me dirais plus, en fait, ça va me rapprocher de la personne. Ouais. Tu vois, je vais pas me foutre de sa gueule, tu vois. Je vais juste voir que c'est un humain. Tu vois, je vais dire, tu vois son côté humain, il va faire le mec. Je vais aller voir, je vais faire, ah ouais, mais en fait, c'est un pote. Après, tu vas voir. Après, tu vas voir, tu fais, du coup, ça se passe comment tes hémorroïdes? Moi, je suis trop chargé. Pour moi, les connaisseurs. Mon téléphone, j'ai déjà eu peur vraiment que quelqu'un voit mes recherches. C'est pratique, page privée, genre c'est une phase directe. Moi je sais qu'il y avait une phase où je me posais des questions. Ah, je l'ai la phase, je crois. Le truc con, genre sur ma virilité, tu sais. Et à ce moment-là, Google. Peut-être des trucs qu'on n'assume pas devant la mif, tu vois. Peut-être les potes ça passe, ouais, mais pas la famille, tu vois. C'est plus le cercle proche, quoi. Ouais. Plus rien à foutre que ce soit Big Brother qui sache que j'ai des problèmes d'érection, plutôt que les gens que se connaissent, tu vois. Ouais, de ouf. J'ai pas de problème d'érection. J'ai l'impression qu'on est un peu résignés. Genre ça nous fait chier, mais on est résignés parce que bon, c'est comme ça. Mais après, si, parce que par exemple, quand tu parles d'un truc et que ton téléphone il est à côté de toi. Et que juste après t'as la pub. Et après t'as la pub. Ouais. Moi ça, je trouve ça super intrusif. Et du coup, putain, je me suis... Putain, mais t'as une puce. C'est un implant Google. Ah, ok, tu